Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le tressage du cobra. Tout d'abord, vous préparez vos 2 mètres de paracorde. Donc, ensuite, vous prenez le tour de votre poignet. Donc, soit vous prenez 1 mètre, soit vous prenez directement la paracorde. Donc là, je vais retirer la montre. Vous prenez la corde, vous la mettez autour du poignet. Et vous faites votre mesure comme ceci. Là, vous voyez à peu près ce qu'il faut. Donc, au niveau de mon pouce droit, vous pouvez faire un nœud. Donc, vous voyez, c'était à peu près cette distance-là. Donc là, je fais un nœud. Afin d'offrir une meilleure visibilité sur la vidéo, je prends cette couleur-là pour la base. Comme ça, vous verrez mieux le tressage. Donc, le tressage, c'est super simple. Alors, vous prenez vos 2 mètres de paracorde. Vous les mettez bout à bout, vous tirez, à l'opposé vous avez une boucle. Vous prenez cette boucle, vous commencez en haut ou en bas ou en haut, comme, enfin, dans le sens dont, que vous voulez. Il suffit juste d'aller jusqu'au bout. Moi je préfère commencer ici, ça permet d'avoir une meilleure finition à la fin et de pouvoir ajuster beaucoup plus facilement combien il vous faut pour pouvoir avoir une bonne fermeture. Parce que c'est forcément en fonction de votre poignet. Donc, vous posez votre corde dessus, comme ceci. Vous faites un S. Vous pouvez commencer par la droite ou par la gauche, cela n'a aucune importance pour le début. Il faut juste bien se souvenir par lequel on a commencé. Alors, beaucoup vous proposent de faire un S comme ceci. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, juste ceci suffit. Là, vous allez voir, vous passez par-dessus le brin, sous le tronc et dans la petite boucle. Là, vous tirez. En fait, si vous voyez bien le nœud, c'est un nœud tout simple. Il faut juste mettre le tronc entre les deux, vous voyez, et vous serrez. Une fois que vous avez fait ceci, votre repère, ça sera toujours la boucle qui va par-dessus. Je vais faire un zoom. Vous voyez, la boucle qui est dessus. Donc là, je vais recommencer. Vous voyez, je prends par la boucle, je fais ma petite boucle. Celle qui est à gauche passera toujours dessus, dessous et dedans. Vous voyez, je retire. Vous voyez, toujours ce nœud simple et le tronc toujours au milieu. Si vous êtes perdu, si vous ne savez plus, si vous êtes à droite, à gauche, parce que vous avez fait autre chose, parce que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, vous reprenez toujours la boucle à partir... Enfin, vous voyez cette boucle en fait tout simple qui est sur le côté, et bien, c'est toujours de ce côté là que vous allez commencer. Vous voyez, là je reprends et vous voyez c'est super simple. Je tire comme ceci, je tire, hop, là nous allons à droite, on tire et vous voyez ça va super vite. Donc c'est vraiment le tressage le plus basique, le plus rapide et le plus simple. Donc là je vais le tresser jusqu'au bout, je vous reprends juste pour la finition. Alors voilà, une fois qu'on a complètement tressé, vous voyez, à la fin, soit vous coupez, soit vous allez vraiment jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser de la place pour la boucle. Vous voyez, vous vérifiez une dernière fois le tour de poignet. Donc là, vous voyez, c'est très bien en termes de taille. C'est un petit peu lâche, je pourrais aller un cran plus loin. Ou alors, je fais une fixation glissière. Alors, pour finir, vous coupez à ras, mais pas trop. Vaut mieux qu'il y en ait un peu plus et que vous le cramiez au briquet, plutôt que de couper trop court et de défaire une boucle. Donc, comme ceci. Vous voyez la boucle, elle va tout simplement aller se coller. Et si elle ne se colle pas, vous pouvez même l'étaler, vous voyez, un tout petit peu avec le cul du briquet. Et du coup, ça vous fait quelque chose, on ne voit pas très bien, de propre. Donc là, je fais l'autre côté. Je crame. Je
J'étale un petit peu. Ça permet de le maintenir, de l'étaler. Et par contre, si vous avez un doute par rapport au fait de le sortir parce que c'est brûlé, il n'y a aucun souci, hein. En tirant bien fort, ça se défait tout seul. Vous voyez, voilà, ça se fait bien. Donc voilà, donc ce sera tout pour le bracelet Cobra. Je referai une vidéo pour le King Cobra, bien que ce soit tout simplement un Cobra double. Pour tout ce qui est attache, fermeture, je referai une vidéo spécifique attache et fermeture. Donc voilà, j'espère que vous avez vu ce que vous voulez voir. Comme pour l'autre vidéo, je remets en fin de vidéo des photos pour pouvoir revisionner le tressage. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.